essaie de le chanter, ne ferme pas ta bouche. Essaie de chanter le chant. Et en le chantant, tu confies ta vie, tu confies ces instants, tu confies ce pourquoi tu es là pour. Et tu remets cela dans le nom de Jésus. Tu remets cela dans le sang de Jésus. Silence.
J'abandonne ces instants et que tout se fasse silence. Dans le monde des ténèbres, tous les esprits méchants, tout esprit impur, tout esprit démoniaque, les principautés, les dominations, j'abandonne ce temps dans le nom de Jésus. J'abandonne ce temps dans le sang de Jésus, au nom de Jésus, que toute votre présence quitte ce lieu. Toute votre présence sort de ce lieu. Là où tes enfants se réunissent et te invoquent, Seigneur, tu descends. J'invoque ton nom. J'invoque ta présence. J'invoque ton esprit. J'invoque ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui surpasse tout autre nom. J'invoque ce nom en ce moment. J'invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Là où tu es, appelle-le. Invoque-le. 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 Invoque le nom de Jésus. Dans ta situation, il n'y a pas un autre nom qui t'a été donné, que tu dois appeler dans toutes circonstances. C'est le nom de Jésus. Invoque-le. Appelle-le. Invoque-le. Appelle-le. Appelle le nom de Jésus. Demande-lui de venir. Dis-lui de venir dans cette situation. C'est à lui que tu pries. Dans ta condition, c'est à Jésus que tu parles. Abandonne ta situation aux mains de Jésus. À la circonstance, abandonne dans la main de Dieu ce que tu traverses. Invoque-le de venir. Dans ta santé, invoque-le de descendre. Dans ta famille, appelle-le de venir. Appelle-le. Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque plus que jamais. Je t'invoque plus qu'auparavant. Je t'invoque. Descends par ta gloire. Descends par ta présence. Descends par ton esprit. Prends ton chemin. Descends et manifeste ta présence. Descends et manifeste ta présence. Descends et manifeste ta présence. Dans l'église, dans les vies, dans les cœurs. Seigneur Jésus, tout ce que nous attendons, nous t'invoquons. Viens à l'intérieur. Viens, prends le contrôle absolu. Viens, dirige toutes choses. Viens, parle, parle, parle. Et que tout se taise. Parle, et que tout se taise en ce moment. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Non, du moins, tenez-vous debout. Acte 4, chapitre 1. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Si vous y êtes. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous pour un moment. Alléluia. Alléluia. Pierre et Jean devant le grand conseil. Il y a une situation qui s'est présentée après le départ de Jésus-Christ. La naissance de l'Église a provoqué des tumultes. La naissance de l'Église aussi a provoqué des tumultes. Il y a eu des oppositions. Il y a eu le grand conseil, le Sanhédrin. Il y a eu les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Se sont levés contre l'Église. Se sont levés contre les disciples. Se sont levés pour s'opposer à ce que les disciples faisaient dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que tu vas te lever pour faire,
pour Jésus et dans le nom de Jésus, il y aura toujours une opposition. Il y aura toujours une attaque. Il y aura toujours une marche et une contre-marche. Tout ce que tu vas vouloir entreprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le monde des ténèbres ne vont pas te laisser tranquille. Les esprits méchants, les princes de ces ténèbres, de ce monde, les principautés, les dominations, ils ne vont pas rester là, croiser les bras et te laisser tranquille. Ils vont se lever, ils vont se manifester. Quand tu te dévoues, quand tu t'engages, quand tu te bats, quand tu te consacres, quand tu te lèves pour faire quelque chose pour Jésus, à la gloire de Jésus, dans le nom de Jésus, vous allez voir toujours des oppositions. Vous allez voir toujours des attaques. Vous allez voir toujours des imprévus, ça et là. Vous allez voir toujours ceux dont vous ne vous attendiez pas qui vont se présenter. Frères et sœurs, Jean et Pierre ont fait face, plus les autres disciples, à cette situation dès la naissance de l'Église. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire principale que tous ses opposants ont rejeté, que tous ceux qui bâtissaient ont rejeté, tous ceux dont vous ne vous attendiez pas, les Juifs, se sont levés pour dire non à ce Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'attendent et ils disent que nous attendons toujours notre Sauveur, nous attendons toujours notre Messie. Car ce Messie qui nous a été promis et proclamé, prophétisé par les prophètes, nous l'attendons toujours, car ils attendaient que Jésus vienne les sauver des tyrans romains, de ce jour et de cet asservissement des Romains. Mais quand Jésus est venu, voilà que Jésus est allé sous un autre angle. Jésus est allé, il fait opérer quatre choses. Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus chassait les démons et Jésus guérissait les malades. Les Juifs étaient étonnés. Frère, quelle est l'analogie qu'il faut faire? Toi aussi dans ta situation, à partir du moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il faut savoir que les gens ne vont pas te laisser dormir tranquille. Il y aura toujours des attaques. Il y aura toujours des intrigues. Il y aura toujours des découragements. Ils vont toujours essayer de mettre des bâtons dans tes roues. Des attaques par-ci pour t'effrayer. Ils vont te titiller. Frère, tenez bon. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous combattons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous marchons. Nous avançons avec Christ dans notre direction. Nous ne marchons pas seuls. Quelle que soit la situation, sache que même malgré qu'ils ont opposé à la naissance de l'Église, jusqu'à l'heure là où nous parlons, l'Église est toujours debout. Car c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Tu es l'Église de Jésus-Christ et quelles que soient leurs oppositions, Jésus-Christ bâtit ta vie. Quelles que soient les attaques et les ennemis, Jésus-Christ veille sur ta vie et rien ne peut toucher à ce qui est à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, rien ne peut toucher à ta vie parce que tu l'appartiens et tu es entièrement à lui. Le verset 12, voici ce que Pierre a dit. Frères et sœurs, Sanhédrin, juifs, scribes, il n'y a pas d'autre nom qui m'a été donné, Pierre. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, nous les disciples de Jésus, dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Celui que vous avez crucifié, c'est celui-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui brise les barrières. C'est le nom de Jésus-Christ qui guérit les malades. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est en ce nom que nous prêchons aujourd'hui. C'est en ce nom que nous opérons les miracles. C'est dans le nom de Jésus que nous nous appuyons et nos victoires se reposent toujours dans le nom de Jésus. Frères,
situation. C'est au nom de Jésus-Christ que tu vas t'en sortir. C'est au nom de ce Tout-Puissant. Le nom de Jésus-Christ, c'est l'unique nom. C'est l'unique nom seul en qui tu dois t'appuyer. En qui tu vas croire. En qui tu vas toujours mettre tes espoirs. Tu vas mettre ton assurance. Tu vas mettre ton cœur. Tu vas mettre ta conviction. Appuyez-vous en ce seul nom qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas d'autres idoles. Dans ta situation, il n'y a que le nom de Jésus-Christ que tu dois invoquer matin, midi, soir. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, c'est ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom que Dieu a souverainement élevé après son obéissance, après qu'il s'est humilié. C'est le nom obéissant à la mort, jusqu'à la mort, à la croix. C'est là que Dieu, souverainement, comme Moïse a élevé le serpent guéri dans le désert, afin que quiconque qui est mordu par un serpent venimeux regardait Jésus-Christ à la croix. C'est ce même image que Dieu l'a élevé au-dessous de tout autre nom. Et c'est en ce nom de Jésus que les genoux fléchissent. C'est en ce nom de Jésus que l'on confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois à ça. Et il revient bientôt. Il va juger ce monde. Crois en Jésus. Regarde en Jésus. Accroche-toi à Jésus. Appuie-toi sur ce Jésus. C'est ce seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a été donné. Même en temps de maladie, appelle le nom de Jésus. Même en temps de souffrance, quels que soient les soucis, quelles que soient les épreuves, appelle le nom de Jésus. Invoque-le le jour de ta souffrance, le jour de ta détresse, le jour des moments compliqués, le jour où tu traverses le désert. N'appelle pas le pasteur, n'appelle pas la tante, n'appelle pas ton papa ni ta maman. Appelle toujours, invoque toujours le nom de Jésus-Christ à qui le salut nous est donné. À qui la guérison nous est donnée, à qui la solution nous est donnée, à qui la promotion nous est donnée, à qui les chemins s'ouvrent devant chacun de nous et que nous avançons. Appelez toujours le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, pleurnicher, c'est bon, mais c'est mieux d'appeler le nom de Jésus-Christ. Arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de te plaindre. Appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta situation. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, je vais frayer une issue pour que tu sortes. Il me dit de te dire ce soir, appelle-moi, quelle que soit la situation, je vais frayer, je vais opérer, je vais ouvrir une issue, un chemin, là où c'est bloqué, afin que tu sortes, tu t'en sortes, tu sois sauvé de la situation où tu te trouves. Jésus-Christ a prévu toujours une porte de sortie pour nous tous. Jésus-Christ a prévu toujours une solution pour ses enfants. Solution de guérison, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne faillit jamais. Jésus-Christ a toujours le dernier mot. Jésus-Christ, quand il parle, tout se tait. Quand Jésus-Christ vient, les ténèbres s'enfuient. Quand Jésus-Christ vient, la solution arrive. Quand Jésus-Christ arrive dans ta situation, il y a changement. Au nom de Jésus, je l'évoque dans ta situation, dans ta famille, dans ta maison, dans les besoins de ton cœur. J'appelle le nom de Jésus. J'évoque le nom de Jésus. Dans ta maison, j'évoque le nom de Jésus. Dans ton travail, j'évoque le nom de Jésus. Dans ton mariage, j'évoque le nom de Jésus. Dans tes projets, j'évoque le nom de Jésus. Dans tes entreprises, j'évoque le nom de Jésus. Dans ta famille, j'évoque le nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants, j'évoque le nom de Jésus. Dans ton avenir, j'évoque le nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, il n'y a pas un autre nom qui m'a été donné pour le former pour toi, pour l'appeler pour toi. C'est le nom de Jésus que j'appelle pour toi. C'est le nom de Jésus que je prie pour toi. C'est au nom de Jésus que je chasse
chemin et tu passes. Je fais un chemin et tu traverses. Je ouvre, j'ouvre l'issue, j'ouvre l'issue, j'ouvre l'issue. Tout semble fermé, j'ouvre l'issue. Tout semble être bloqué, j'ouvre l'issue. Dans cette église, j'ouvre l'issue. Dans les fidèles, dans cette église, dans les morts, dans cette église. Jésus m'a dit, je fais un chemin. Il ne peut plus nous accuser, il ne peut plus
tes erreurs, qui cherchent de dire frappeur à ta vie pour t'accuser, pour te comploter contre toi, pour détruire ta vie, pour mettre ton Dieu, pour mettre ton Seigneur, pour mettre ton chef de service, pour ton travail, pour mettre ta famille. On te jette dans le puits, on te jette dans la fosse au lion. C'est au nom de Jésus que je proclame. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Que celui qui veut que tu tombes dans la fosse au lion, que lui-même. Ayata Kamayashi. Tokarayashita. Taïs Katawarabashia. Lukarabayashi Kiria. Heis Karayarayashita. Je déclare que dans ta vie, tout comploteur contre ta vie, finis au face de lion, finis au face de lion, finis au face de lion, car c'est au nom de Jésus que tu marches, tu t'appuies sur Jésus, tu n'as pas un autre Dieu, tu n'as pas des idoles, tu ne sais pas un autre Dieu, tu t'appuies sur ce Jésus, c'est à ce nom. Jésus-Christ de Nazareth, sois la vie de mon frère. Il y a trop de complots, il y a trop d'attaques, il y a trop d'accusations contre sa vie. Parle maintenant. Agis, manifeste la justice divine à sa faveur. Manifeste la justice divine à son égard. Au nom de Jésus, ses ennemis l'entourent, ses ennemis l'entourent, ses ennemis sont en train de comploter pour le détruire, pour le nuire. Oh Jésus! Où es-tu, Jésus-Christ que je sers? Où es-tu? Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Descends maintenant, sauve les fidèles, sauve les fidèles, sauve les sœurs, sauve les frères, sauve l'Église. Jésus, Kaya, Kaya, Kalayashita, Torayas Kinarabaya, Toki Kaya Sakaba. Lokambaria Sokoraba, Haïs Kindalea Bawatika, Dokimbaria Sokobaraya Shaya, Loïkaria Sakiparaya, Jésus, sauve le frère de ses combats familiaux, sauve la sœur de ses combats familiaux, sauve ce couple de cette opposition des frères, des sœurs, Père, sauve, 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 car il n'y a pas d'autre nom à qui il va être sauvé. C'est à ton nom, c'est à ton nom, c'est au nom de Jésus, sois sauvé, sois relâché libre, sois relâché libre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été accusé à tort et à travers, lève ta main. Tu n'as rien fait. On t'a accusé d'une manière ou d'une autre. Que ce soit il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, il y a de cela 15 ans. Quel que soit le temps qu'il y a eu cette accusation, lève ta main. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de la justice. Et c'est au devant de ton trône de la justice que je m'approche maintenant. Tu vois l'accusation qui a accablé ce frère, qui a accablé ma soeur. Elle est innocente. Elle n'a rien fait qui mérite d'être jetée dans la fosse au lion. Elle n'a rien fait d'être mise à l'écart. Elle n'a rien fait qui mérite qu'on la punisse, qui mérite qu'on la déteigne, qui mérite qu'on la néglige. Jésus, innocemment, on l'a accusé. Accusé dans sa famille, accusé au service, accusé père, dans la société, parmi ses frères, parmi ses soeurs, parmi ses promotionnaires. Jésus, je crie à ton nom. Comme tu es descendu dans la fosse au lion, descends maintenant pour ce frère qui est jeté par l'environnement, qui est jeté par le voisinage dans la fosse au lion, qui est jeté par sa famille dans la fosse au lion, qui est jeté par ses collègues de service dans la fosse au lion. Jésus, c'est le moment qu'il sorte. C'est le temps qui va sortir de sa fosse au lion. C'est au moment, Père éternel, que tu
tu as dit que tu as fait un chemin pour qu'il sorte, pour qu'il en sorte. Sors maintenant. Sors maintenant de ta force au lion. Sors maintenant de cette accusation. Au nom de Jésus, Père, paie un remplacement. Que ce qu'il avait accusé soit remplacé dans la force au lion. Ce qu'il avait accusé soit remplacé dans la force au lion. Rentrez maintenant par l'autorité divine. Rentrez maintenant au nom de Jésus. L'Esprit Saint vous apporte dans la force au lion. Accusateur et comploteur, je vous envoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette même force au lion, par cette autorité du nom de Jésus. Et que les frères et sœurs qui ont été innocemment accusés sortent. Dès cette nuit même, tu es délivré de cette accusation familiale. Tu es délivré de cette accusation de la société. Tu es délivré de cette accusation au travail. Tu es délivré de ce complot. Tu es délivré de toutes ces formes qu'on a fait pour te limiter. Tu es délivré. Je déclare que tu es délivré. Comme Daniel, sort vivant aux les mains de ses forces ce soir. Alléluia. Jésus dit, je ferai une issue pour que tu sortes. Asseyez-vous pour un moment. Je ferai une issue pour que tu sortes. Je ferai un chemin pour que tu sortes. Je vais tout faire. Même là où tu ne t'attendais pas, même là où les gens avaient dit que c'était fini, même là où les gens avaient condamné et tu as entendu, Jésus me dit de te dire ce soir, dans la vie de ton foyer, tu penses que c'est fini entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, tu penses que c'est fini ta relation avec toi et tes enfants. Tu penses que tu as perdu ton enfant. Au nom de Jésus, dans ta situation, au travail, ta santé, tu penses que c'est fini. Ton mariage, tu penses que c'est fini. Au nom de Jésus, il m'en va te dire, ce soir, c'est ce soir. Je ferai un chemin, je ferai une issue, je ferai une issue. Pour que tu t'en sortes, pour que tu t'en sortes, pour que tu t'en sortes, pour que tu t'en sortes. Sors au nom de Jésus. Les finances. Tu regardes à gauche et à droite. Il dit que je ferai une issue pour que tu sortes de cette situation difficile financièrement. Jésus-Christ, c'est le seul nom qui nous a été donné, quelle que soit la situation, que nous devions appeler et invoquer, que nous devions demander et invoquer. Jésus, viens, sauve-moi. Répète après moi, élève ta voix, Jésus-Christ de Nazareth. Dites cela avec attitude et conviction. Ouvrez vos bouches, dites avec conviction, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque, viens dans ma situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'appelle, viens dans ma situation. Délivre-moi de ces chaînes de ténèbres. Délivre-moi de ces chaînes de captivité. Délivre-moi de ces prisons sataniques. Jésus-Christ de Nazareth, viens. Délivre mon foyer. Délivre la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre mon mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris-moi ma santé, je t'invoque, restaure ma santé, restaure ma santé, donne-moi la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Illumine mes yeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais que j'avance. J'avance, au nom de Jésus-Christ, je progresse, ma femme et moi nous progressons, mon mari et moi nous avançons, au nom de Jésus-Christ, je vivrai, au nom.
guéris. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je suis restauré. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je suis restitué. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, ma vie change. Ma vie change. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je proclame que d'ici la fin de l'année, ma condition sera meilleure. Meilleur. Je proclame dans ta vie que tu sois meilleur que hier, meilleur que l'année passée. Je la proclame au nom de Jésus. Quels que soient les liens qui t'ont retenu, j'invoque le nom de Jésus pour ta délivrance. Quelles que soient les limitations qui te limitent, j'invoque le nom de Jésus devant ta limitation. Que tu sois illimité et que tu avances. Proclame la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi et moi, proclame la victoire sur tes ennemis. Proclame la victoire sur tes limites. Proclame la victoire sur la maladie. Proclame la victoire sur la peur. Proclame la victoire sur les échecs. Proclame la victoire. Proclame. Je suis victorieux en Jésus. Proclame, Aria Shataba, Vikarabashindaraya, Lush Karabayaba, Matuna Titabayatu, Dukanda Titabashita, Lokinarabaya, Toys Karabayatuna, La Duka Taraya Shitaba, Pierre était lié. Je t'ai, je
9, un pharaon fut érigé qui ne connaissait pas du tout Joseph. Et il a maintenant asservi le peuple d'Israël. Il les a mis sous un joug. Il les accablait, il les oppressait. Le peuple d'Israël, leur condition était horrible et difficile. Parce que ce pharaon nouveau n'avait pas connu ce que Joseph a fait pour l'Égypte. Oui, frères et sœurs, ce peut souvent aussi que tes parents avaient fait des actes et que c'était des actes glorieux et grandioses. Mais après leur départ, au fil des années, on a oublié les bienfaits. On a oublié tes prouesses. On a oublié ce que tu avais fait de bien. Et maintenant, ils se retournent contre toi. Mais c'est mal connaître ton Dieu. C'est mal connaître ton Seigneur Jésus. Celui que tu sers et celui que tu suis. Tu l'appartiens. Il est à toi. Tu es un fils et une fille de Dieu. Et tu es dans sa main. Oui. La prophétie a été dite par Joseph quand il mourait. Voici la prophétie. Alléluia. Joseph, quand il mourait, il a dit, le Seigneur va vous envoyer un sauveur. Il va vous envoyer un délivreur. Et quand ce sauveur sera venu, prise en bataille en sortant de l'Égypte cette captivité, prenez mes os avec vous. Pharaon a entendu cette prophétie. Et Pharaon s'est levé. Et il a décrété, il a dit aux sages-femmes, à partir de cet instant T, toutes les femmes israélites enceintes qui viendront à l'hôpital pour accoucher, dépouillez-vous pour qu'en même temps ces bébés soient tués, ces bébés soient exterminés. Dépouillez-vous, soit en sortant vous allez l'asphyxier, soit vous allez vous dépouiller. En tout cas, faites tout pour que ces bébés meurent. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'esprit de Pharaon existe toujours. Oui, tu ne sais pas, dans le monde spirituel, le décret qui a été décrété en ton nom, le décret qui a été signé, qui a été arrêté par le monde des ténèbres pour t'empêcher de te réaliser. Tu ignores cela. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé. Mais ce soir, le Seigneur, à travers sa parole, il est en train de me dire qu'il a frayé un chemin d'office. Il a frayé une issue d'office pour que tu t'en sortes. Quand le décret a été officialisé, la crainte de Dieu, par l'Esprit Saint, a saisi toutes ses sages-femmes, Pia et Chifra. Et elles n'ont pas pu tuer les femmes qui venaient pour accoucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'esprit qui t'avait été affecté par le monde des sorciers, par le monde des démons, pour détruire tes projets, pour détruire tes ambitions, pour détruire tout ce qui est prêt à être né de toi, au nom de Jésus, qu'ils soient touchés. Que ces esprits soient touchés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Répondez Amen. Répondez Amen. Je suis en train de faire une œuvre prophétique dans ta vie. Ne ferme pas ta bouche. C'est pas le prêtre spectateur. Au nom de Jésus. Quel que soit dans le monde spirituel, ce qui a été préparé contre tes projets, contre ton avenir, contre tes ambitions, contre tes plans, au nom de Jésus, je détruis ce
parole de Dieu. Il m'a dit dans Apocalypse 1 à 5 que les serpents, le serpent ancien, le dragon, a été affecté à cette femme qui était enceinte, qui voulait accoucher. Elle se tenait là. Le dragon se tenait près, là, auprès de la femme, qui attendait qu'elle accouche. Et dès qu'elle va accoucher, Apocalypse 12, le verset 5, 1 à 5. Dès que la femme aurait enfanté, elle est là pour dévorer et engloutir le bébé, pour anéantir la vie du bébé. Frère, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a tout fait. Le Dieu vivant a tout fait. Le bébé a été enfanté. Il n'y a pas eu de dragon pour tuer le bébé. Au nom de Jésus, accouche ton bébé et rien ne va toucher à ton bébé. Accouche ton projet. Accouche ton entreprise. Accouche ce que tu veux initier. Accouche ce qui est projet dans ton cœur que tu veux réaliser. En Afrique, dans ton pays d'origine, il y a des serpents anciens, il y a des dragons, il y a des pharaons qui sont là-bas, qui attendent que tu inities le projet, que tu commences la construction, que tu commences ce que tu veux réaliser, afin qu'ils engloutissent, afin qu'ils volent, afin qu'ils détruisent, afin qu'ils volent. Mais ton nom de Jésus, il a dit, je fais un chemin, tu vas passer, tu vas sortir, tu vas accoucher, tu vas porter fruit, ton projet sera oui et amen, tu vas la réaliser. Au nom de Jésus, réalise ton projet. Au nom de Jésus, réalise ton projet. Alléluia. Tous ceux qui ont des projets, au pays, et il veut réaliser, c'est en gestation, d'autres ont déjà commencé, c'est en cours, d'autres sont fait prêts, c'est pratiquement au bout, pour que tu commences, lève ta main. Parini lo katayas, la kiriata lo kiyapa. Jésus, c'est toi qui donnes la vie. Jésus, c'est toi qui es l'auteur de la vie. Jésus, tu as vu la souffrance de mon frère. Il a la main levée. De ma soeur, elle a la main levée. Tu vois le froid. Tu vois, Seigneur Père, ses insomnies. Tu vois ses efforts. Tu vois, Père, sa sueur qui coule jour et nuit. Tu vois comment elle se bat. Jésus, pour réunir les sommes, pour se réaliser, pour accoucher son projet. Père, tu connais son cœur. Jésus, ce qui est dans ses mains n'est pas corrompu, n'est pas compromis. C'est une semence pure venant de toi. C'est le fruit de ses dures labeurs. Jésus, le frère et la sœur a pris pour investir, pour réaliser son projet, pour se réaliser. Père, mais il y a des pharaons, mais il y a des dragons, mais il y a des sorciers, mais il y a des méchants qui attendent qu'elle commence l'entreprise, qu'elle commence la construction, qu'elle achète le terrain. Il y a des méchants, il y a des voleurs, il y a des rapaces, il y a des vautours dans le monde des ténèbres. Paris, là-bas, le feu divin pleut du ciel maintenant. Pleut du ciel maintenant. Pleut du ciel maintenant. Pleut du ciel maintenant. Et brûle tous ces rapaces. Brûle tous ces vautours. Brûle tous ces esprits méchants qui veulent voler, qui veulent tuer les projets, qui veulent tuer les initiatives, les ambitions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les projets vivent. Que les projets deviennent une réalité. Que les rêves deviennent une réalité. Qu'ils se réalisent. Au nom de Jésus. Fais un chemin. Même si c'est au pays, les lois, les autorités, Père, qui se lèvent pour s'opposer. Pas des textes de loi. Au nom de Jésus, j'annule ces textes de loi en faveur de mon frère.
sœur. Jésus, tout décret qui avait été pris en défaveur de son projet, Père, je détourne ce décret. Je change ce décret au nom de Jésus, en sa faveur, en faveur de ton projet. Les autorités, semblent ne pas t'accorder. Les situations et les conditions, semblent être difficiles. Jésus, je déclare maintenant que la situation soit favorable. Tout en ta faveur, tout en ta faveur, tout en ta faveur, pour ton projet, pour sa réalisation, pour son effectivité. Au nom de Jésus, que ton projet se réalise. Père, rends la justice. Jésus, rends la justice. Ces mains sont innocentes. Ce n'est pas l'argent de la prostitution. Ce n'est pas l'argent de la corruption. Ce n'est pas de l'argent du vol. Ce n'est pas des biens détournés. C'est au prix de son sang qu'il a eu. Et il veut investir. Je menace le dévoreur. Je menace le destructeur. Je menace les méchants. Je ménage les voleurs. Au nom de Jésus, quiconque dans le monde des ténèbres tapis dans l'obscurité pour voler ton enfant, dès que tu accouches, Père, je le paralyse. Je le paralyse. Au nom de Jésus, je l'étourdis. Au nom de Jésus, je le sors d'aveuglement. Au nom de Jésus, Père, qu'ils échouent. Au nom de Jésus, Ayash. Toi qui avais peur, Seigneur me dit, commence maintenant. J'ai frayé le chemin. À partir de ce moment que tu entends cette parole, c'est ce soir. Lève-toi, réalise-toi, réalise-toi, réalise-toi. N'attends plus, j'ai frayé le chemin. À partir du moment où tu as entendu cette parole, mon cœur a sonné, tu attendais, tu doutais, tu avais peur. Mais le Seigneur me dit, vas-y, vas-y. Je suis avec toi. Commence, initie, entreprends, accouche ton projet. Je la ferai dès cette nuit. La parole de Dieu nous dit, au verset 12 de Genèse 1, plus on accablait les enfants de Dieu, plus on les affligeait, plus on les assujettissait, plus ils s'accroissaient, acclamant pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus, plus. Genèse chapitre 9, verset 12. Non, pas Genèse, Exode plutôt. C'est pas Genèse, excusez-moi. Exode 1, 12. La parole de Dieu nous dit que plus Pharaon a rendu leur tâche lourde, plus on les a plus assujettis. Il dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Je déclare au nom de Jésus-Christ que plus tes ennemis se multiplient, plus tu te multiplies. Plus tes adversaires t'accablent, plus tu es en train de t'expandre, de multiplier ta gloire. Plus que tes oppressions est en train de s'augmenter, plus le Seigneur Jésus-Christ augmente ta délivrance. Augmente ta délivrance. Augmente ta guérison. Plus ta situation semble être difficile, c'est là que le Seigneur dit, c'est là que je vais me manifester plus. Vous savez, prophétique, vous êtes plus combattu que celui qui n'est pas un fruit prophétique. Quand votre étoile, dès votre naissance, commencez à briller, plus tu seras attaqué. Mais celui-là qui n'est pas un fruit prophétique, l'ennemi ne perd pas son temps. Frère, laissez-moi te dire, quand tu vas voir que les situations semblent se compliquer, que ta situation semble être plus dure, les difficultés te chauffent. Quand ça te coince à gauche,
Tu veux t'en sortir à droite, ça se bloque. Tu dis tu vas reculer un peu pour te reposer, ça se bloque. Tu veux avancer, tu ne comprends rien, c'est bloqué. Faut savoir que tu es un fruit prophétique. Faut savoir que tu n'es pas un homme ordinaire. Faut savoir quand tu es oppressé, ça et là, tes luttes, tes oppositions, tes oppressions sont plus que tes frères, sont plus que tes soeurs. Dans ton voisinage, tu es celui qu'on a rejeté, qu'on a combattu. Faut savoir que sur ta vie, tu es extraordinaire. Mais l'ennemi, voyant ton étoile, il se lève comme Hérode pour te détruire, pour t'attaquer. Mais l'Éternel a dit, je suis le Jésus-Christ de Nazareth, en qui il y a le salut. C'est dans ce seul nom, quand tu l'invoques, en ce moment, il dit, je ferai une issue, je ferai un chemin, et tu sors. Tout ce qui est fruit prophétique sera combattu par les méchants. Mais si tu n'as pas un avenir, si devant toi, il n'y a rien de perspective grandiose, quand le Seigneur a un plan pour toi, regarde ta vie, même tes frères dans ta famille vont te combattre. Même ton père, même ta mère, tes choix et tes décisions, ils vont s'opposer. Ils ne vont pas être avec toi. Mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Persévère en Christ, persévère dans le nom de Jésus, persévère dans ta situation. Parce que c'est toi qui vas changer la situation de la famille demain. Il s'oppose aujourd'hui. Le chemin est devant toi déjà tracé. Il ne le voit pas. Mais c'est plus tard que vous allez voir qu'ils vont le courir à toi. Vous savez que la plupart dans nos familles, l'enfant qui a été le plus rejeté, le frère, la sœur qui était le plus combattu, négligé, méprisé, même par papa et maman. Frère, regardez, l'histoire nous apprend toujours que c'est celui-là, la pierre que vous avez rejetée là, vous qui bâtissez là, c'est lui qui devient l'âme principale de la famille toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, deviens l'âme principale de ta famille. Je la prophétise au nom de Jésus. Généralement, vous allez voir, surtout lors des mariages, papa s'oppose, maman s'oppose, les hommes s'opposent. Non, mon fils, non, ma fille. C'est des luttes, c'est des combats. Mais mon frère, si tu sais qui t'a appelé, tu sais en qui tu t'appuies, fonce, tu as mon soutien. Vas-y, tu as mon soutien. Au nom de Jésus, ton mari que ta belle famille avait rejeté, c'est ton mari qui prendra soin de cette belle famille. Ta femme que ta belle famille avait rejeté, c'est ta femme qui prendra soin de ta belle famille. Au nom de Jésus, je la déclare. Et je la prophétise, reçois-la maintenant. Actuellement, c'est difficile. Ma femme est là. Nous avons eu un mariage très difficile, compliqué. Mais aujourd'hui, la tendance. La païtu katala yituma. L'okirias kinda papa inda. Loris. La prime haïtaba, le kambalikuta tachinda. Tu es peut-être dans cette situation. Le Seigneur me dit de te dire, ta femme, ton mari, qui avait été rejeté par les bâtisseurs, sera la principale, sera la pierre principale. C'est elle, c'est lui qui va nourrir, qui va prendre plus soin. Même à leur dernier jour, peut-être c'est ton mari qui va tenir la tête de celui qui s'opposait le plus pour qu'il se couche. Peut-être c'est ta femme qui va tenir la tête de celui ou de
celles qui s'opposent plus de ton mariage, de ta vie, de tes choix. C'est lui, c'est elle qui va tenir sa tête pour qu'il se couche. Je la déclare dans ta vie au nom de Jésus. Jésus-Christ m'a dit de te dire, je vais frayer chemin dans ta situation, tu vas passer. C'est une issue qui est déjà frayée. Reçois-la en prophétie et en esprit et avance. Alléluia. Oui, on a décidé, Pharaon le méchant, faut tuer maintenant. Comme vous les sages-femmes vous avez dit que vous allez laisser passer, maintenant je vais me lever, tuer tous les bébés en Égypte. On a dit qu'il y a un délivreur qui vient. Il faut tuer sans exception. Mais quand tu as un choix de Dieu, 1 000 et 10 000 vont tomber à droite et à gauche. Tu ne seras pas atteint. Tu t'appelles Moïse ce soir. Tiens-toi debout. Tu t'appelles Moïse ce soir. 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 Moïse sauver des eaux. Moïse sauver les tueries. Moïse sauver de toutes ces pièges. Moïse sauver. Commence à prier et à proclamer dans ta vie. J'échappe, j'échappe, je m'échappe de toute place satanique. Je m'échappe de tout filet de l'oiseau. Je m'échappe de tout piège tendu par l'ennemi. Je m'échappe en esprit. Échappe-toi, échappe-toi. Tu es sauvé par le nom de Jésus. Par les prophéties sur ta vie. Jouez me parler. Si vous ne savez pas faire ça, venez à l'assemblée. Jouez me parler sur vos vies. Les caméramans, filmez, parlez sur vos vies. Prophétisez sur vos vies. Je m'échappe des méchants. Je m'échappe au nom de Jésus. Comme Moïse, mon foyer s'échappe de tous ces plans de tuer le pharaon. Pharaon a planifié de te tuer. Tu t'échappes. Notre église s'échappe. Ton mari s'échappe. Ta femme s'échappe. Tes enfants s'échappent. Les plans de Pharaon. Pharaon va tuer. Mais Jésus est là. Pour que tu sors. Pour faire chemin d'ici de distance. L'ennemi n'abandonne jamais. Vous savez ça? Il n'abandonne jamais. Malgré les signes d'plaie et jugement, ils ont frappé les premiers-nés. Le peuple d'Israël est sorti. On pensait que Pharaon allait laisser tomber. Frère, ne pense pas que dès que tu accouches le projet, dès que ta délivrance sort, dès que tu sors des filets de l'oiseau, faut pas aller dormir. Pharaon va poursuivre. Est-ce que vous comprenez que le passé de chacun de nous le poursuit? Écoutez-moi bien. Je suis bien placé pour vous témoigner ça. Tout ce que j'ai abandonné, le Seigneur m'a fait sortir de la bière, de l'alcool, de cette vie souillée. De temps en temps, je sens que Pharaon me poursuit pour me ramener dans mon Égypte de bière, dans mon Égypte de femme, dans mon Égypte de cette vie souillée. Vous ne demandez pas ça. Si vous êtes honnête, ce que tu faisais avant et que maintenant tu ne fais plus, de temps en temps, ça ne revient pas te piper. Répondez-moi. Pharaon ne laisse jamais. Pharaon, les méchants, les sorciers, les démons, ils ne laissent jamais. Ils ne baissent jamais les bras. Même quand tu t'échappes, il va poursuivre. Même quand tu es guéri, la maladie, la cause de la maladie, elle est là pour poursuivre, pour voir. Est-ce qu'il n'y aura plus une occasion pour que je rentre
24 encore. Matthieu 12. Même quand tu es délivré, l'esprit méchant va et il vient de temps en temps checker, regarder. Est-ce que le frère ou la soeur n'a pas baissé les bras? N'est pas retourné dans son ancienne vie? N'est pas retourné dans ce qu'il avait vomi? Dès qu'il voit que le lieu est propice, il sort, il rentre. Avec cet autre esprit plus méchant, Pharaon poursuit toujours. Même si le Seigneur fait le chemin pour toi et que tu sors de ton Égypte, même si le Seigneur vient te sauver, te guérir, te délivrer, te promouvoir, te hisser au sommet, Pharaon est toujours là, il poursuit pour te tirer en bas. N'oubliez jamais ça. Quand vous êtes délivré, quand vous êtes promu, quand vous êtes béni, il y a des conséquences dans la bénédiction. Il y a des conséquences dans la promotion. Il y a des conséquences. Ne dormez pas les yeux fermés. Veillez et priez afin que Pharaon ne te ramène pas en Égypte après ta délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est sorti avec le peuple. Exode 14, 22. Ils ont quitté, sont partis avec tous les biens. Si vous lisez à partir du verset 12, 13, 14, la parole de Dieu nous dit, Pharaon s'est levé pour poursuivre, pour poursuivre, pour poursuivre, pour poursuivre. Et quand il est en train de poursuivre, il est plus furieux qu'avant. Quand ton esprit de pierre est en train de te poursuivre, si avant c'était deux bouteilles, quand il se lève pour te poursuivre, ça devient quatre bouteilles qui te poursuivent. Écoutez-moi bien. Ça devient plus furieux. Il faut que tu tiennes bon. Frère, mais sachez toujours que même si Pharaon vous poursuit, Moïse vous a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est la peur seule. C'est la peur seule qui peut faire que ton pharaon te rattrape. Ne murmurez pas. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Parce que si vous doutez, pharaon risque de t'attraper. Celui qui t'a fait sortir là, compte toujours sur lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a ouvert la porte et qui est sorti, le même demeure hier, éternellement aujourd'hui, il ne change pas. Il est toujours là. N'aie pas peur. Ne change pas ta foi. Ne change pas tes regards. De direction. Regarde toujours à Jésus. Moïse les a dit, Exode 14, 9 jusqu'à 10, jusqu'au verset 13, jusqu'au verset 14. Quand vous lisez, vous voyez ce que Moïse a dit au peuple. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils ont commencé à parler, à murmurer. Pourquoi tu nous as délivrés? Pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? Y avait-il pas des tombes? Y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Nous aimons bien servir les Égyptiens. On préférait même rester là-bas, dans cette même situation. Tu nous as amenés dans le désert. On va mourir. Il a fallu que Moïse, j'ai dit, que tu t'appelles Moïse dans ta situation. À chaque fois que tu entends des murmures comme ça, par l'ennemi dans ton oreille, il faut que tu parles comme Moïse. Il faut que tu dises, Asa, ne t'inquiète pas. Il faut que tu dises, mon frère, ma soeur, prononce ton nom. Je ne m'inquiète pas. Je me tais et j'observe ce que le Seigneur va faire pour moi. Oui, il arrive par un moment que notre vie est coincée des quatre côtés. Dans une situation, tu veux aller à gauche, c'est coincé, à droite, c'est coincé. Le peuple d'Israël se trouvait dans cette même situation. À gauche, montagne, à droite, montagne, derrière Pharaon et ses chars, devant la mer Rouge. Qui n'a pas encore rencontré cette situation dans sa vie? Alléluia! Nous allons prier, quel que soit l'enclos, quelle que soit la ferme satanique, quelles que soient les liens ou les limitations dans ta vie,
qui t'empêche. Reculer, il y a Pharaon et ses chars. À droite, tu ne peux pas, il y a une montagne. À gauche, il y a une montagne. Devant, la mer rouge. Qui va venir te sauver? C'est là qu'il dit, je ferai une issue pour que tu t'en sortes. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Montre ta situation à ton Dieu. À l'image de ce peuple d'Israël, tu as dit que tu ferais une issue pour que je m'en sorte. Présente ta situation. Jésus, je présente les fidèles. Je présente le peuple. Je présente l'Église. Je te les présente. J'écris en ton nom à leur faveur. Quelle que soit la situation à laquelle ils se font face. Père, situation qui sème la peur en eux. Situation qui les limite. Au nom de Jésus. 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 Qu'il y ait une issue. Il y a un chemin, ce frère, chemin, chemin, frère, spray. Le chemin, ce frère, sort de cette situation. Sort de cette limitation. Sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus qui se nazette. Alléluia. Amen. Apocalypse 3. La vie de toutes ces sept églises, Smyrne, Sardes, Philadelphie, toutes ces sept églises, que les lettres ont été écrites et adressées, Philadelphie, c'est seule l'église de Philadelphie, dans toutes ces sept, qui a gardé, qui est resté ferme. Et l'Éternel parle, et il a parlé ce soir, Apocalypse 7, Apocalypse 3, verset 7 à 8. Nous allons la lire. Tu vas te prophétiser sur toi-même ta vie. Tu vas parler sur toi-même. Nous allons parler sur l'autre église. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Frère, je m'arrête un peu sur cette phrase. Le Seigneur connaît nos œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Vous savez, la nature de Dieu se voit ici. Et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Acclamons pour la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole malgré ta peu de puissance. L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce que vous savez là, le Seigneur voit vos œuvres, vos efforts que vous fournissez pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume. Tu te bats. Quand on voit réellement, tu te consacres pour le servir. Tu te fais violence. Pour le servir dans ce monde perverti et difficile. Il dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Frère, ne reniez jamais votre Jésus-Christ de Nazareth. Gardez toujours sa parole. C'est à partir de ses œuvres-là qu'il parle. Les œuvres là t'ont conduit à t'attacher toujours à sa parole et à ne pas renier à son nom. C'est ça les œuvres. Et c'est à partir de là, alléluia, que j'ouvre une porte devant toi. J'ouvre un chemin devant toi. Une
soit fermé sourd. Et à partir de là, tu rentres pour l'éternité. Tu rentres pour toujours. Parce qu'il a dit, personne ne pourra la fermer. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Dis. Proclame, proclame, proclame. Parle sur ta vie. Alléluia. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle, parle, parle. Dis quelque chose. Amen. Lève ta main. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu m'as dit dans ta parole que tu connais mes œuvres. Tu m'as dit que j'ai peu de puissance. Oui, Seigneur, tu me connais. Tu m'as dit que je n'ai pas renié ta parole. Oui, Seigneur Jésus, j'ai gardé toujours ta parole. Je la sers dans mon cœur. Je la médite jour et nuit. Je m'attache à ta parole. Avec le peu de puissance que tu as vu, c'est avec ça que je médite ta parole. C'est avec ça que je te suis. C'est avec ça que je te sers. C'est avec mon peu de puissance que je te prie. C'est avec mon peu de puissance que je suis dans ta maison. C'est avec cette force que j'ai que je m'attache toujours à ta parole. C'est avec cette peu de puissance que j'ai que je n'ai pas renié le nom de Jésus. Je n'ai pas renié le nom de Jésus. Seigneur, maintenant je t'appelle. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Comme tu parles à l'église de Philadelphia. Souviens-toi de moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Souviens-toi de moi. Tu m'as dit, à cause de mes œuvres, à cause de mes peines de puissance, à cause du fait que j'ai gardé ton nom et que je n'ai pas renié ton nom, à cause du fait que je m'attache à ta parole. Voici, 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 Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois, pour que je vois ce dont tu parles dans ta parole. D'abord, il faut 8. Tu m'as dit, voici, j'ouvre une porte fermée qui est devant toi. Jésus, ouvre-la devant moi, ouvre-la devant moi, ouvre-la devant moi. Ouvre devant moi. Au nom de Jésus, j'ouvre la porte. Au nom de Jésus, j'ouvre ma porte. J'ouvre la porte de ma famille. J'ouvre la porte de mon mariage. J'ouvre la porte de ma santé. J'ouvre la porte de ma délivrance. J'ouvre la porte de ma restauration. J'ouvre la porte de ma restitution. J'ouvre la porte de ma vie abondante. J'ouvre la porte de ma gloire. J'ouvre la porte de mon succès. J'ouvre la porte de ma santé financière. J'ouvre la porte de mes voyages. J'ouvre la porte, toutes ces portes bénéfiques que tu as ouvertes. Je l'ouvre à ton nom. Je l'ouvre à ton nom. Je l'ouvre à ton nom. Au nom de Jésus, je rentre maintenant. Je rentre maintenant. Je rentre maintenant. Et que ces portes ouvertes, au nom de Jésus, ne se referment plus jamais. Que personne ne la ferme. Que personne ne la ferme. Au nom de Jésus, démon, esprit impur, tu ne peux pas fermer la porte que Jésus-Christ a ouverte. Tu ne peux pas fermer. Au nom de Jésus, la clé de ta ville, la clé d'autorité, tu me l'as donnée et tu m'as dit d'ouvrir. J'ouvre, 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 j'ouvre. Maintenant, priez vous-même. Ouvrez toutes les portes possibles que vous connaissez. Ouvrez toutes les portes possibles. Parlez. Parlez. Parle. Porte de guérison, je l'ouvre. Porte de délivrance, je l'ouvre. Porte de
Jésus, nous rentrons. Et la porte ne se fera plus jamais. La porte de ma délivrance ne se fera plus jamais. La porte de ma gloire ne se fera plus jamais. La porte de mes enfants ne se fera plus jamais. Je la proclame par l'autorité divine. Ne priez plus. Levez vous-même. Pour l'autorité divine, tu m'as dit dans ta parole que tu vas frayer et tu freins un chemin dans le désert. Et tu m'as dit dans Esaïe 43, frein. Même les bêtes des champs vont te glorifier. Même les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Et tu mets des fleurs dans la solitude pour abreuver ton peuple, pour abreuver tes élus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des sources d'eau coulent maintenant dans la solitude de ton peuple, dans la solitude de chaque membre de cette église, dans chaque foyer. Que des sources d'eau s'ouvrent maintenant. Que des sources d'eau s'ouvrent maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus. Toutes les issues possibles s'ouvrent. Toutes les issues favorables s'ouvrent. Dans leur vie, dans leurs entreprises. Père, toutes les connexions possibles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. En ce nom seul, que je m'appuie sur ta parole seul. Que je m'appuie, Père, que ces portes s'ouvrent à partir de ce soir. Que les issues s'ouvrent à partir de ce soir. Issue de mariage s'ouvre. Issue de voyage s'ouvre. Issue au sein de l'immigration des papiers, des approuvals s'ouvrent. Les green cards s'ouvrent. Les permis de conduire s'ouvrent. Des travaux s'ouvrent. Père, les portes du travail s'ouvrent. Des travaux décents au nom de Jésus. Père, les portes et les issues d'élévation dans ce pays s'ouvrent maintenant. Les portes qui étaient restées fermées pendant longtemps, je m'appuie sur ta parole et je les ouvre maintenant dans la vie de ton peuple. Jésus, leur programme et leur plan, leur projet valide maintenant. Valide maintenant, cachette maintenant, signe maintenant, marquette cela maintenant, parle cela maintenant, par le sang de Jésus, scelle cela du sceau du sang de Jésus, et que rien, nul ne peut l'effacer. Jésus-Christ, ton peuple te regarde jour et nuit, l'Église crie à toi jour et nuit, dis quelque chose maintenant, parle maintenant. Fais un chemin maintenant. Dis un seul mot maintenant. Fais quelque chose de nouveau maintenant. Père. Ta pichita. Toka. Chika. Jésus. Le kinda rabakana. Le kitika tawashimba. La ikandara. Le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un. De sa visibilité, des problèmes de vue. Le Seigneur touche tes yeux maintenant, les cataractes, les myopies, toute forme de maladie qui touche tes yeux. Tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Et tu vois de façon claire et visible et franche. Jésus, c'est toi seul qui peux satisfaire les attentes d'une personne, les attentes des cœurs. Je t'en prie, tu nous as demandé de faire de toi des délices. Afin que tu nous donnes ce que nos cœurs désirent. C'est ce que chacun de nous fait. N'oublie pas, Père,
les désirs de leur cœur. Souviens-toi d'eux, un à un, individuellement, cas par cas, situation par situation. Traite-les favorablement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.